Symbole du développement aéronautique, Orly est le deuxième aéroport de France, avec 33 millions de passagers par an. Mais aujourd'hui, la plateforme doit s'adapter à une fréquentation de voyageurs toujours croissante. Pour rester compétitif et devenir l'égal des plus grands aéroports européens, Orly s'offre un sérieux coup de neuf. C'est aussi 9500 m² de verre, soit 4 fois la surface vitrée de la pyramide du Louvre. Le bâtiment d'Orly 3 a été totalement conçu pour être à la pointe de la technologie en matière de sûreté aérienne. À l'origine d'Orly, en 1960, la sûreté n'existait pas. Il n'y avait aucune contrainte. Mais tous ces systèmes de sûreté ne protègent pas contre le risque majeur que redoutent tous les aéroports. Un attentat à la bombe au cœur d'une aérogare. Comme celui qui s'est produit en Belgique, à l'aéroport de Bruxelles. Une explosion a blessé des passagers, non pas directement par l'explosion, mais par l'environnement. L'environnement, c'était à la fois les façades et le plafond qui s'est effondré et a blessé des passagers. Mais Orly 3, c'est aujourd'hui une immense cathédrale de verre construite avec 9500 m² de baies vitrées qui sont un piège mortel pour les passagers en cas d'explosion. Là encore, la technologie a permis de relever le défi de la sûreté. Orly a fait appel à ce qu'il y a de mieux. Installée dans le nord de l'Espagne, cette entreprise est spécialisée dans le verre high-tech. Pour Orly, elle a conçu un vitrage particulièrement résistant. C'est essentiellement un double vitrage composé de deux feuilles de verre qui sont maintenues entre elles et qui permettent ainsi à l'ensemble du volume de rester en place et de ne pas avoir d'éclats vulnérants pouvant blesser des passagers. Sûreté, mais aussi confort. Le nouvel Orly fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an, été comme hiver. Et l'été, à cause de la conception tout en verre et acier d'Orly 3, la température peut s'envoler. Là encore, la solution est passée par la qualité des vitrages. Nous avons mis en œuvre des vitrages très spéciaux, double vitrage à haute performance thermique qui permettent de maîtriser tous les apports solaires l'été.